Et voilà, c'est terminé pour la légende Fedor Emelianenko, battu par Ryan Bader au premier round, comme lors du premier combat. Personnellement, voilà, pour moi, c'était déjà, ça fait un petit moment que Fedor aurait dû s'arrêter. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'il l'avait dit, quoi qu'il arrive, même si, et là, Dieu merci, même si Francis Ngannou allait venir au Bellator, c'était son dernier combat. Là, on a vu vraiment la différence d'âge entre les deux hommes, même si ça a duré plus longtemps que le premier combat. Parce que souvenez-vous, hein, le premier combat, Fedor qui a quand même été mis knockdown sur un jab de Ryan Bader, terminé je crois en 15 secondes. Là, ça a duré, allez, 1 minute, 32 minutes. On va faire le point là-dessus. Je trouve que c'est dommage quand même pour Fedor d'avoir eu un choc où sportivement c'était complètement déséquilibré, alors qu'il a peut-être eu autre chose à faire face à une légende potentielle. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Le tout dernier combat de la carrière de Fedor Emelianenko est donc une défaite. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ce combat? Pas grand chose, parce que franchement, sportivement, il n'y avait pas photo entre les deux hommes. Fedor était quand même assez lent. Ryan Bader a mis la pression dès le début du combat. Dès qu'il y a eu les premiers échanges en anglaise, on a pu voir la différence, mine de rien. Il se fait mettre knockdown, ensuite Fedor, Ryan Bader qui suit très bien au sol, et là, qui déchaîne le ground and pound, et Fedor qui finit par être arrêté par l'arbitre, très justement. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a à retenir de ça? Ben, j'ai envie de dire pas grand chose, hein, honnêtement. 46 ans, Fedor, il a déjà tout fait. Il quitte le sport sur un bilan de 40 victoires, 7 défaites, 1 no contest. Et pour moi, ça fait un moment qu'il aurait déjà dû arrêter. Honnêtement, ça aurait peut-être été bien qu'il parte sur son premier combat, peut-être au Rising, contre Jay Deep Singh en, voilà, le 31 décembre 2015. On était à l'époque déjà sur la sueur, déjà sur les podcasts. C'est là qu'on avait fait l'article Big Rusty avait fait l'article Mi Fig Mi Rising à propos de l'article de présentation sur Rising. Et c'était le grand retour de Fedor après 2 ans sans pause, enfin 3 ans sans combattre. Et ensuite il y a eu le choc, et là, en fait, voilà. Pour moi, c'était un bon départ de ce combat-là. Ensuite, il y a eu celui contre Fabio Maldonado. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était au Full Fight Nights Global. Un combat où vous ne faites pas ça en Russie. C'est une victoire pour Maldonado. Fedor avait pris la foudre, mais d'une force. C'était très très chaud. Juste après ce combat-là, enfin quelques mois plus tard, il signe au Bellator. Et là, voilà. Pour moi, en fait, tout le run de Fedor au Bellator, il s'aternit vraiment son image, parce que là où les défaites qu'il avait eues au préalable, avant qu'il arrive au Bellator, il y a eu ces 3 défaites consécutives après ces 10 ans d'invincibilité, vous vous souvenez, Fabricio Werdum, Antonio Silva, et ensuite Dan Anderson, il se prend les 2 KO coup sur coup, c'était au Strikeforce, et là on pouvait se dire, bon, hyper contre des légendes du sport, c'était sa première expérience dans une organisation américaine, voilà, il n'y a pas, enfin, on peut perdre dans ces conditions-là. Ensuite, avec ce run-là, on est dans une organisation un petit peu plus exotique. Quand on voit qu'il galère contre Maldonado, pour tout le monde, je pense que vous qui avez suivi le sport depuis longtemps, et même vous qui découvriez le sport depuis peu de temps, vous savez que Fedor, c'était une légende. Et donc, le voir galérer contre un mec comme Maldonado, qui l'aurait déchiré, enfin d'ailleurs, ils étaient même pas dans la même catégorie de base, qui l'aurait déchiré quelques années plus tôt, là, ça faisait vraiment mal. Et donc, moi, quand il signe au Bellator, j'ai très peur pour lui. Ça se confirme, premier combat, ok, ça reste dans les annales, parce qu'il y a un double knockdown contre Matt Mitrione, sauf que c'est Matt Mitrione qui se relève, et Fedor perd contre Matt Mitrione, là encore, enfin, c'est pas des athlètes qui appartiennent à la même catégorie dans les livres d'histoire. Matt Mitrione ne devrait pas croiser Fedor Emelianenko. Et ensuite il enchaîne, il y a Frank Mir, Chael Sonnen, mais là, vous voyez ce que je veux dire, cette défaite contre Ryan Bader pour le titre, où là aussi, bon, c'est ok, c'est la finale du Grand Prix, avec Rusty on avait des étoiles dans les yeux pour se dire pourquoi pas, peut-être que Fedor va y arriver, bon bah la réalité nous a très vite rattrapé. Et ensuite là il avait enchaîné, et pour moi ça aurait été le combat de fin idéal. C'est pour ça que c'est un peu, enfin, cette retraite pour moi arrive beaucoup trop tard pour Fedor. C'était le combat contre Rampage Jackson quand il y avait le Bellator Rising, le tout premier au Japon, donc qui revenait là où il avait fait tous ses plus gros succès à Saitama. Donc là, si je vous invite à regarder
à lire notre livre, le grand livre du MMA, pour avoir la présentation du Pride, qui est peut-être l'une des plus grosses organisations de tous les temps, mais en tout cas c'est celle où Fedor a le plus brillé. Il y a eu des combats de légende contre Mirko Krokop, contre Nogueira, bref, c'était la folie. Et donc là voilà, il y avait un combat contre une légende comme lui, le retour au fils caché du Pride avec le Rising au Japon. Tout était coché pour que ce soit finalement un départ idyllique pour Fedor Emelianenko, qui s'impose en plus par KO face à un Rampage hors de forme, j'en conviens. Mais non, Fedor veut continuer. Et donc là encore aussi, on pouvait se dire que c'était un départ pas formidable pour les débuts du Bellator en Russie, avec le Bellator Moscou en 2021. Octobre 2021, Fedor s'impose par KO contre Timothy Johnson, qui je crois était classé deuxième ou troisième parce qu'il avait gâché la fête au Bellator Paris en s'imposant contre Cheikh Kongo. Donc là on disait c'était parfait. Mais non, il a voulu pousser encore un petit peu, et donc pousser jusqu'au combat contre Ian Bader qu'on a eu aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui était très bien, c'est que pour le coup, le Bellator avait fait quelque chose que fait peu l'UFC, je trouve, c'est honorer ses légendes, honorer les légendes du sport. Donc là, il y avait vraiment un panel de vrais superstars, vraies légendes du sport. Il y avait Royce Gracie, il y avait Chuck Liddell, il y avait, je crois qu'il y avait Rampage Jackson aussi. Enfin, il y avait toute une tripotée d'anciens très très grands noms. Il y avait Mark Coleman aussi, ancien adversaire de Fedor Emelianenko. Bref, il y avait des vraies légendes du sport. Il y avait aussi il y avait même des légendes du UFC comme Matt Hughes qui était là. Ça fait plaisir parce que le Bellator arrive, à part, même si l'UFC commence à s'y mettre avec sa cérémonie du Hall of Fame, ils honorent vraiment ceux qui ont fait le sport, ceux qui font pourquoi vous et moi on est là à regarder ces vidéos, à être passionnés, à aller voir les événements. Donc moi j'ai trouvé que c'était bien. Mais par contre sportivement les deux n'avaient rien à faire ensemble dans la cage. On a Ryan Bader aujourd'hui, il est peut-être plus dans son prime, mais il se frotte toujours au plus grand de la planète. Il n'y a pas si longtemps que ça, il était chem du Bellator. Et de l'autre côté, Fedor, vous voyez bien que il peut pas contre le top du top, il ne peut pas. Et moi je trouve ça vraiment dommage parce que il y avait autre chose à faire. Quand je dis qu'il y avait autre chose à faire, même si c'était pas du tout gagné pour lui, je pense même qu'il les aurait perdu, mais un Fedor Alistair Overeem, un Fedor contre Junior Dos Santos, ça aurait eu à mon sens un petit peu plus d'intérêt pour tout le monde, parce que on sait qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu sportif pour savoir qui est le meilleur. Il y a du suspense au début, et si Fedor perd, c'est pas, il n'y a pas ce côté exécution comme là il y a eu. Parce que, franchement, c'était terrible. Et puis même, ça en vient à se poser la question. Si Fedor s'était imposé, quelle réputation, quelle image ça donne du Bellator de voir qu'un mec de 46 ans, qui est plus du tout, qui a des années-lumière de son prime, arrive à vous prendre le titre heavyweight. Voilà, en tout cas, moi, ce que je trouve très bien, c'est que voilà, c'est son dernier combat. Il l'a dit, il l'a réitéré, on ne verra plus Fedor. On ne le verra plus, surtout ternir sa légende. C'est ça qui est terrible. C'est que là, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, ou même vos enfants qui découvrent le MMA, leur dire, regardez ce mec-là, pendant 10 ans, il m'a fait rêver. Pendant 10 ans, il arrivait à sortir de situations. Kevin Randleman, on pensait qu'il allait avoir un mort dans la cage, enfin sur le ring, après le supplice que Fedor se prend. Ben non, il arrive à s'imposer par soumission. Donc, dire ça aux jeunes qui découvrent le sport et qu'ils voient aujourd'hui en compétition, c'est ça qui est un petit peu difficile. Et c'est là que moi je tire tout mon chapeau à Georges Saint-Pierre, qui a su à chaque fois s'arrêter au top, et même à Khabib Nurmagomedov, ce qui fait que l'image de Khabib, l'image de Georges Saint-Pierre, ça reste l'athlète qui a été champion. Et à aucun moment on peut dire, si, allez, la fin de son premier round à GSP, mais vous comprenez, les gens gardent en tête le fait que le mec était au top. Là aujourd'hui, Conor McGregor, ceux qui suivent le MMA depuis 2-3 ans, c'est que un mec qui prend des grosses défaites, alors que moi, Big Rusty, chaque fois qu'on en parle, on en mode, ouais, mais s'il revenait, si le vrai Conor revenait. Sauf qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas comme ça, et peut-être qu'ils ne le verront jamais. Donc voilà, c'est juste ça que j'avais à dire à propos de Fedor Emelianenko. En tout cas, bonne retraite, glorieuse retraite à Fedor. J'espère qu'on pourra le voir un petit peu en coach avec certains membres de sa team, et qui restera autour du sport aussi, parce qu'on sait que c'est une personnalité très discrète, Fedor Emelianenko. Shout out my sweet pea, my sweet protein. Je crois qu'il y a moins 15% supplémentaire sur tout MyProtein avec le code la sueur. C'est ya. Yeah.